Hello, hello, mes cerisettes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Il fait très très beau, le soleil est revenu. Nous sommes fin mai et ils annoncent une super belle semaine. Je suis en tenue estivale. Tout va bien. Je reviens vers vous pour un haul de mes derniers achats que j'ai passés sur vente privée et des achats que j'ai faits en direct. On va démarrer tout de suite par Action. J'y suis allée il y a quelques jours. J'ai acheté un adoucissant de la marque Vinesse, écologique et peau sensible, 750 ml, que j'ai payé 0,79 centimes. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que d'habitude, c'est au moins 3 euros les adoucissants écologiques et peau sensible. C'est pas une odeur de folie. C'est un petit fond d'amande douce un peu amer, mais c'est pas non plus une odeur de foufou. Sachant que ma lessive, enfin mon eau est très calcaire, même en rajoutant du vinaigre blanc, c'est encore un peu raide, on va dire, le linge quand il sort. C'est pour ça que je rajoute ça et pour un peu amplifier l'odeur de lessive, mais c'est pas une odeur de folie, folie non plus. Et dernier produit chez Action, c'est une tisane Love Hibiscus Doux de la marque Amarty. Infusion aux herbes et épices. C'est une boîte de 16 sachets. Et je trouvais que c'était quand même un petit peu cher parce que c'est 2 euros pour seulement 16 sachets. Pour Action, je trouvais que c'était quand même un petit peu cher. Mais j'ai remarqué que la nourriture chez Action, c'est quand même assez cher. Certaines choses sont assez chères quand même. Et en ingrédients, c'est donc une infusion ayurvédique aux herbes et aux épices avec hibiscus et menthe. Donc il y a hibiscus 33%, réglisse 24%, menthe poivrée 14%, basilic, feuilles de mûrier, gingembre, ortie, poivre noir, cardamome, cannelle, clou de girofle. Ça, c'est une infusion vraiment délicieuse, enfin pour ma part. Ce qui ressort surtout, c'est la cannelle et le petit piquant de la menthe et de la menthe poivrée. Du poivre noir et de la menthe poivrée. Mais franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé un énorme pot de purée de cacahuètes chez Naturalia. D'habitude, c'est des pots de 350 grammes qui vendent à peu près 4 euros. Et là, c'est 700 grammes et c'était 7,75 euros. Donc, c'est une toute petite économie, mais c'est une économie quand même. Voilà, comme ça, j'aurai le stock pour quelques... Enfin, voilà. J'ai le temps de voir venir, on va dire. Ensuite, je viens de l'acheter ce matin au Monoprix. C'est un rouge à lèvres de la marque Boho Green qui est numéro 304 et que j'ai payé 10,90 €. Je vais vous faire un swatch. Donc, c'est un corail brillant. Je m'assortis à mes bretelles de soutien-gorge. Une belle couleur pour cet été. J'avais envie de ça. Ben voilà, je l'ai trouvé. Et pour terminer, donc je vous ai dit, j'ai fait une commande sur showroom privé. Je ne me suis pas trompée avant, j'ai pas dit vente privée. J'ai fait une commande sur showroom privé d'une vente privée avril. Et donc j'ai commandé un crayon à lèvres jumbo couleur rose charme que je vais vous swatcher. Donc c'est un peu un rose Barbie. Alors, je pensais pas que ce serait un rose aussi flashy, mais je pense que pour cet été ça ira aussi. Et je trouve la texture assez pas trop sèche pour un crayon, ce qui est assez agréable. Je l'ai payé 2,20 € au lieu de 4 euros. Ensuite, hein, j'ai pris un mascara volume. Toujours de la marque Avril, il est made in Italy, 10 ml. Je ne sais pas la brosse, mais je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai encore un d'ouvert et que ça se garde que 6 mois ouvert. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je vous en reparlerai. Si une fois je me maquille quand je suis en train enfin si je me fais un tuto maquillage et que je l'utilise, bah, je vous montrerai la brosse. Ce mascara m'a coûté 3,90 € au lieu de 7 euros. Et pour terminer, j'ai pris deux jets de douche de 500 ml chacun. Donc, un c'est lavande orange
avec 11% du total des ingrédients biologiques. Et l'autre, c'est abricot amande avec 10,5% d'ingrédients biologiques. Ils sont tous les deux made in France et je les ai payés 3,80 € au lieu de 6 €. Ouais, ça sent bon, hein, bah, mélange de lavande et d'orange, hein, donc ça ne peut que sentir bon. Et l'autre, ça sent trop bon. Ça sent tout doux. Oh, celui-là, il sent bon. Je vais sentir bon cet été. Voilà, donc j'ai eu la chance de ne payer que 6 € et quelques ma commande sur Avril parce que j'avais un bon 10 € pour ma première commande, je crois, un truc comme ça. Mais sinon, j'aurais payé plus, hein, c'est sûr. Ils font les frais de port à environ 3 € en point relais. Et sinon, c'est 5,90 ou 6 €, je ne sais plus maintenant. Les frais de port. Mais voilà, donc ça va, 3 € c'est pas non plus la mort. En point relais, hein. Après, si vous voulez le faire livrer chez vous, ça c'est un peu plus cher, quoi. Mais moi, ça va, mon point relais n'est pas très loin, donc j'ai pas de problème. Voilà, j'espère que mes derniers petits achats de ce mois-ci vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté certains des produits, ce que vous en avez pensé, ou certaines marques, ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à me laisser, à vous abonner, bien sûr, et à vous inscrire sur ma page Facebook. Je vous dis à une prochaine. Bye!